La cueillette, pour la sœur de ses sacs, c'est son grand plaisir, et sans doute le secret de sa robuste santé. Pour autant que les autres tâches lui laissent le loisir, elle s'en va, bravement souvent de grand matin, par les chemins creux et les prairies. Elle connaît non seulement les champignons, les baies, mais aussi une foule de plantes médicinales et leurs vertus. Le serpolet qui nettoie le sang, la fleur de sureau, la verveine sauvage, le tilleul, la menthe, le mille-vertu recommandé pour le foie, la violette, le saponaire, la feuille de frêne, quel conseil aux rhumatisants. Nous avons tout pour éviter d'être malade dans notre campagne et pour nous soigner si nous sommes atteints. J'ai bu des infusions toute ma vie et je n'ai jamais pris de médicaments. La béate sonnera la cloche plusieurs fois par jour. Pour les trois angélus, la classe, le portage des repas pour les hommes au champ, le couvige, le tocsin, la grêle, le mois de Marie, le chemin de croix.
Rapport de l'inspecteur, 1880. Marguerite Talon, née en 1838 à Polignac, maîtresse ordinaire, état du local passable, uniquement des filles, béate, zélée, se présentera à l'examen. Marie Charbonnier, état du local assez bien, 8 filles, ira aux examens. Rosalie Richaud, 3 garçons, 28 filles. État du local, passable. Cahier propre, écriture. Se prépare à quitter l'abbaye. Julie Vialard, née à Grazac. 10 garçons, 11 filles. Parfait. Résultat satisfaisant. Méritante. Marie Morin, née à Saint-Ostien. État de l'hébergement, mauvais. 27 filles, 2 garçons. Subvention accordée, 21 francs. Produit éventuel, 80 francs. Que de la dentelle. Elle promet de se mettre à l'écriture et au calcul. Rosalie Desordres. Hébergement, mauvais. École, insignifiante. Maîtresse, peu intelligente. Enseignement, nul. Madeleine Arsac, bonne volonté, aurait besoin d'être poussée pour se présenter à l'examen. Tient peu à la vie. Marie Barthélémy se présentera peut-être. Marie Roch ne se présentera pas. Julie Vernet, 4 filles, 7 garçons. Peu d'enseignement. Lecture seulement. On pourrait créer une école mixte. Philomène Abrial, 30 filles, peu de lecture, ni d'écriture, à supprimer. Marie Delègue, 18 filles, un peu de calcul, un peu de lecture, ne va pas se présenter au certificat. Philomène Sabatier, obédience oui, 12 garçons, 28 filles, toutes les matières, sauf histoire et géographie. Bonne petite école. Marie Cluzel, peu d'enseignement, trop vieille. Adrienne Malesson, enseignement nul, ne se présentera pas. Victoire Gagne, excellente disposition, elle fait la lecture, l'écriture, le français et le calcul. Il y a des résultats. Joséphine Masson, point d'enseignement, que de la dentelle, ne se présentera pas. Julie Pic, 18 filles, quelques résultats, bonne intention, quittera volontiers l'habit. Elles devront parler poliment, en français, se gardant de tout sentiment de jalousie, vengeance, évitant les paroles piquantes et les murmures. Il faut arriver devant les enfants en sachant exactement ce que l'on veut leur dire. Pour enseigner, la béate doit savoir parler le patois. Bon, après, qu'est-ce que je sais encore? Qu'est-ce que je sais encore? Fable de la fontaine. Le chat, la belette et le petit lapin. Le chat, la moustiale et le petit lapin. Dis-nous, pézard d'un petit lapi, la moustiale au bon matin, c'est ça qu'est. À cause de la vie frado, y a eu d'endus, n'est jugé bien isado. Et pour t'es un pétage un jour, que le petit lapi fasse le tour de choses à marche à la gigogne. Et quand la guerre vira, trop tard, pas à spétogne, dans le lapi se revirait ici. La moustiale, se miraille dans sa fenêtre. Mon Dieu! Dès que j'accroche, dit l'animal foutu d'accord de son trau. Ouvre la moustialache, dira vos têtes d'après qui, ou vos cris d'art toutes mouilles bégises. La moustiale, il répondait que lui zache, erre nous premiers arrivages, et que per la garride, à qui farions le cache. Mais per un zache,
Usimi a moi chez chacava grati paudos. Mais ma chaga senza stec, voudrions bien au chaud pour dégager des cautes de l'oubre de damorata que je tendrai. Lou lapi di guette et caro de costume. Que l'oudre lou tenio de choudei, que il aillon remettu d'empe caro nichu. Che vous dio garezza, garezzaillon, me zamma iloubilaillon. A covai se fagè la bustiano, a ne un demanda, a ramina grobis. A Keronza, un foutre de ça, bien fourra, grosse, grasse, grise, et ça que pagio, ça te miau, d'une toute illustre sajau. Ça y venant de partout, il demanda rajou. Et quand il est venu, la moustiale et le lapi, il scrivait, après ça, il s'est chou. Le jeune non sont de cause. Per bien un gira causo, voi vuole tutti i dus i caire de muzzanus. Et tutti i dus se sacheron, tutti i dus s'apprestèron, la testa renado, la queto levado. Et quand se guère un bien pref, dit gronza tamioules, fague petas avon, sa spautoi de davon, nazarei un per sul ghima, et c'était l'autre personne sous pas. Mais ben, mais c'est la yoga qu'on se trouve comme au corps. Tout est l'esprit des aires qui vont faire nous conchaire devant nos tribunaux. Tout un bon souvenir de nous qui, sans se l'aniger, se font tout esplumer. Ne pas œuvrer pour plaire, ne pas soigner mieux les riches que les pauvres. Ne jamais soigner un homme seul. Si elle est obligée, elle sollicitera l'aide d'une femme du village. Ne pas ouvrir les portes de l'assemblée la nuit venue, mais parler par la fenêtre, barrodée. Si l'état du malade s'aggrave, elle préparera la chambre pour le viatique, en plaçant au mur les draps blancs qui appartiennent au village. Après avoir effectué la toilette mortuaire et habillé le défunt, elle se retirera et ira sonner le glas à l'assemblée. Es willen, ach, ich irre weit und breit, dessen Aussatz so an mir zu finden, verlässt mich nicht in diese Sterblichkeit. Mein Wille tracht nur nach Bösen, der Geist verspricht, ach, ich nun mir so in Schmerz und Traum.
Humble fille des champs aux robes monacales, aux châles noirs ou bruns et coiffes de bonnet, dans vos pauvres maisons vétustes, glaciales, vous êtes du pays les touchantes vestales, gardant au jeune cœur l'idéal des aînés. Vous êtes du terroir et vous êtes céleste, vous priez en latin, vous pensez en patois, avec des mots naïfs, sonores et agrestes, vous apprenez aux tout petits les mêmes gestes que vous ont enseignés vos mères autrefois. Vous aidez les mourants au seuil du grand voyage. Par vous, les soirs de mai finissent par des chants. Vous êtes partout, nul ne connaît votre âge. Vous servez et parfois, ô bergère sans gage, on vous ridiculise en des propos méchants. Humble fille des champs aux robes monacales, vestige précieux de l'ancien Gévaudan, vivante floraison de vertus ancestrales, j'ai voulu vous louer, car bientôt vos fronts pâles ne se pencheront plus au foyer paysan. Augustine Rey, Léonie Ramos, Marie Thierry.
Marguerite Isabelle, Marie Delalle, Anne Sabatier, Catherine Bessin, Marie-Louise Monnier, Marie Ralette, Marie Bruat, Marie Farr, Amélie Bruat, Mélanie Astier, Marie Boeuf, Marguerite Sabi, Marguerite Séga, Marguerite Madère, Rosalie Bonne, Anne Sibert, Elisabeth Faure, Marie Rottier, Félicité Fressonnet, Marie Chevalier, Marie Primet, Marie Delpuy, Marguerite Fouillon, Elisabeth Boudon, Marie Langechal, Claudine Guerre, Marie Delmas, Anastasie Missonnier, Marie Flora.